je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça sera le tag Goodbye 2014, puisque on va arriver en 2015, donc au revoir 2014, bravo Lou, c'était brillant. En fait, je savais que ce tag existait parce qu'on l'avait vu l'année dernière, mais j'ai trouvé qu'une personne qui a fait ce tag cette année, et c'était une Allemande. Du coup, j'ai traduit les questions un peu à la bien cousin avec Google Traduction, et sinon avec un peu l'aide de Noéline. Mais voilà, donc il y a des questions, on a un peu traduit comme ça, mais je pense que voilà. Pourquoi je veux toujours parler pour rien dire, tu sais, c'est fou ça. Il y a 8 questions, donc je pense que ça va aller plutôt rapidement, hein, voilà, hein. Ah, j'avais une belle tête d'œuf comme ça, dis donc. Question 1. Comment allez-vous fêter la fin de cette année? Donc en gros, comment allez-vous fêter le nouvel an? Moi, je vais le fêter au ski, donc avec ma famille. Bon, ça va être à l'esblaise, à la bien cousin, tranquillou milou. 2. Décrire l'année écoulée en un seul mot. Changement. Il y a eu beaucoup de changements puisque je suis passée du collège au lycée. Je suis passée des potes où j'ai été pendant plus de 4 ans dans la même classe à une classe où je connaissais personne. Je suis passée à deux mentalités complètement différentes, mais je pense pas que ça a changé vraiment dans le positif niveau mentalité, hein. Voilà, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de changements cette année. Quel a été votre point fort de l'année écoulée? Point fort. Alors, je dirais que c'est... Enfin, vraiment, un souvenir que je me souviendrai toute ma vie, c'est Paris. Donc, Paris avec ma classe, ou bah, cette classe où j'ai été 4 ans ou plus pour certains, ensemble. On a passé d'excellents moments. Et enfin, ouais, quand je repense à cette année, je me dis Paris. Parce que, ouais, il y a eu plein de moments avec ma famille et tout, mais... Et avec mes amis aussi, mais c'est vrai que Paris, ça a été un super bon souvenir et... Ouais, je pense que c'est ça. Quelle chanson vous a accompagné dans la dernière année? Donc dans cette année-là. Je dirais que c'est Breath Dead de Stanley Patrol. Je vais vous mettre un petit extrait, même si vous la connaissez, je pense, parce que j'en parle souvent. Wicked. It's a good little style. From the western town, from the danger. Come on now. Quel moment de l'année dernière était la plus belle, le plus émouvant? Ah mais je crois qu'en fait c'était pas le point fort, je crois que je me suis un peu trompée. Alors la plus belle, bah, je dirais Paris. Et le plus émouvant, c'est le dernier jour de collège, je pense. Où bah déjà j'ai dû revoir une copine qui a déménagé en Bretagne. Donc voilà. En plus de ça, bah, j'ai dû quitter tous mes potes. Et ouais, enfin, je pense que c'est le moment le plus émouvant de cette année. Ensuite, montrer 3 images de l'année dernière. Donc tout d'abord cette photo. Donc la photo de ma famille. Parce que j'ai passé la plupart de mon temps avec eux et que c'était... Que j'ai passé beaucoup de moments avec eux. La deuxième photo, la photo de mes amis que j'avais l'année dernière, donc, l'année dernière, au collège quoi, mais vraiment mes vrais amis sur qui je pourrais toujours compter. Et la dernière photo, donc, c'est la photo de mes amis que j'ai fait au lycée. Donc, c'est de super bons amis quand même. Enfin, même si ça fait quelques mois qu'on se connaît, j'ai quand même découvert de bons amis avec qui on rigole beaucoup, sur qui on peut compter. Et j'espère que ça va durer comme ça et je suis bien contente de les avoir trouvés parce que c'est vrai que j'apprenais beaucoup de trouver des potes et finalement j'ai trouvé des personnes formidables. J'étais formidable. Formidable. Ok, salut. Salut tous. Bel effet. Ensuite, quelle est votre liste de souhaits pour l'année à venir? Alors, mon plus grand souhait, c'est de trouver ce que je veux faire l'année prochaine. Parce que là, en fait, je suis comme ça, à la bien cousine, mais je sais même pas du tout quel bac je veux faire l'année prochaine. Je sais pas du tout, parce que moi, j'aime rien. Ça m'intéresse pas, je sais pas quel métier je veux faire, je suis un peu dans la ramasse. Et que voudriez-vous changer dans l'année à venir? Voilà, mon petit doigt de pied a pris ses aises et a bougé le trépied. Alors, j'aimerais changer quoi? J'aimerais peut-être changer la mentalité des gens, mais je pense pas que j'ai la capacité de le faire. Donc voilà, j'aimerais rien changer. Et ouais.
Eh bien oui, c'était la dernière question. Donc ben voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé une bonne année 2014 et que l'année 2015 sera encore mieux. Et je vous fais d'énormes bisous sur vos petites fesses. Non. Pas une bonne idée ça. Des fois je sors des trucs, je sais même pas d'où je les sors. Pas m'en vouloir. Bon, voilà, stoppons les conneries. Faites d'énormes bisous. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis passez une excellente année. Bisous.